Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette sur ma chaîne. Ça sera une recette salée, ça sera une quiche aux frites et au thon. Dans mon récipient, je viens de mettre des frites coupées en cubes que je viens de faire cuire. Vous rajoutez avec 2 boîtes de thon égoutté. Alors si vous voulez prendre du thon à l'huile, c'est comme vous voulez. J'ai rajouté des rondelles d'olive à l'ail. Voilà, j'ai mis un petit peu de coriandre, un petit peu d'origan et j'ai mélangé le tout. Alors maintenant, on passe au montage. Voilà, j'ai pris une pâte feuilletée normale du commerce. Après, vous pouvez prendre aussi une pâte brisée. Alors, au lieu de couper les bords, je vais la replier sur elle-même. Voilà, alors je vais la piquer pour qu'elle ne gonfle pas. Je vais mettre un petit peu de fromage râpé pour éviter que la pâte soit trempée. C'est une petite astuce. Voilà, je viens prendre la préparation à base de frites et de thon que je mets par-dessus ma quiche. Voilà, maintenant que j'ai rempli en fait ma pâte, je reviens. Alors j'ai cassé dans ma casserole 4 œufs avec un grand verre de lait. Après, si vous voulez faire un verre de lait ou un verre de crème, ou les deux si vous voulez, c'est comme vous voulez. J'ai rajouté quelques épices. Voilà. Maintenant, je viens mettre mon appareil sur ma quiche tout autour. Vous enfournez les amis à 200 degrés pendant 30 à 35 minutes. Après, c'est à surveiller bien sûr, ça dépend des fours. On va rajouter le fromage râpé. N'hésitez pas à partager les amis, likez, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. J'espère que cette recette vous plaira. C'est du gouda et de l'edam avec une salade. Voilà, j'en ai mis un peu partout. Vous mettez ça au four et on se retrouve juste après. Voilà les amis, je viens de sortir la quiche du four. Voilà, alors on va la couper ensemble. Bismillah. Voilà, qu'est-ce que ça donne comme texture, les amis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors les amis, si la recette vous a plu, veuillez vous abonner, liker, partager et commenter les amis. Et je vous la conseille. Bonne soirée.